Le maître a dit. Le maître a dit, une émission qui révèle les grandes leçons cachées dans les enseignements du maître. Le maître a dit, une émission qui vous rapproche de ce que le maître a dit au cours d'une émission passée. Le maître a dit, une émission qui vous conduit vers les orientations contenues dans certains ouvrages du maître. Prenez le rendez-vous tous les jours sur votre chaîne préférée, HMD4, la métaphysique, notre idéal. Édifier très rapidement au niveau de tous les pays un programme de réhabilitation de l'ordre. L'école que nous avons, l'école dont nous avons pratiquement, qui est notre héritage, elle a failli à l'édification des sociétés où il y a la convivialité. La preuve, c'est que nous avons eu 18 sur 20, nous avons eu nos diplômes et tout, face maintenant à la pandémie. Si je prends le cas de mon pays ou des pays limitrophes, qu'est-ce qu'on a pu fabriquer même légère? Je ne sais pas. Donc ça veut dire qu'on était allé là-bas juste pour avoir des notes, juste pour avoir des titres. Et puis enfin, quand un vrai problème de la vie se pose, on est incapable de pouvoir résoudre ça. Ce n'est pas normal. Alors ici, on nous dit réhabiliter l'homme. L'homme est sacré. Si vous continuez de penser que l'homme n'est pas sacré, et vous continuez de chosifier l'homme, de faire comme si l'homme est un objet, c'est que vous violez la loi de notre univers. Et ce à quoi moi je vous appelle, c'est d'entendre ce message de notre univers. L'univers n'est pas content de nous. L'univers n'est pas content de nous. Et nous demande de réhabiliter l'homme. C'est l'homme seul qui est au cœur de la vie sur notre planète. Et notre planète, elle est si importante dans notre galaxie solaire. Enlevez la Terre de cette galaxie solaire, vous verrez pratiquement que l'univers va s'effondrer. Et ce n'est pas nous les hommes qui allons le faire. Apprendre à vous éloigner de la peur. Apprendre à vous éloigner de vos émotions primitives. Apprendre à vous éloigner des réflexes animaux et de la paresse intellectuelle. Et à cet effet, je vais essayer d'en faire une petite synthèse. Cette synthèse, en fait, est contenue dans ce document. C'est un pôle document. Et ça fait déjà, depuis 2009, que nous avons reçu le message. Alors, ça dit quoi ? Édifier un monde, c'est le message principal, où les hommes vivent mieux, gèrent eux-mêmes leur destin, c'est important, assument pleinement leurs devoirs citoyens et jouissent de leurs droits civils et politiques. Gérer le destin à soi, c'est important pour qu'enfin l'homme soit ce qu'il est appelé à être sur notre planète. Il faut édifier très rapidement, au niveau de tous les pays, un programme de réhabilitation de l'ordre. L'école que nous avons, l'école dont nous avons pratiquement, qui est notre héritage, elle a failli à l'édification des sociétés où il y a la convivialité. La preuve, c'est que nous avons eu 18 sur 20, nous avons eu nos diplômes et tout, face maintenant à la pandémie. Si je prends le cas de mon pays ou des pays limitrophes, qu'est-ce qu'on a pu fabriquer même légère? Je ne sais pas. Donc ça veut dire qu'on était allé là-bas juste pour avoir des notes, juste pour avoir des titres. Et puis enfin, quand un vrai problème de la vie se pose, on est incapable de pouvoir résoudre ça. Ce n'est pas normal. Alors ici, on nous dit réhabiliter l'homme.
l'homme est sacré. Si vous continuez de penser que l'homme n'est pas sacré, et vous continuez de chosifier l'homme, de faire comme si l'homme est un objet, c'est que vous violez la loi de notre univers. Et ce à quoi moi je vous appelle, c'est d'entendre ce message de notre univers. L'univers n'est pas content de nous. L'univers n'est pas content de nous. Et nous demande de réhabiliter l'homme. C'est l'homme seul qui est au cœur de la vie sur notre planète. Et notre planète, elle est si importante dans notre galaxie solaire. Enlevez la Terre de cette galaxie solaire, vous verrez pratiquement que l'univers va s'effondrer. Et ce n'est pas nous les hommes qui allons le faire. Apprendre à vous éloigner de la peur. Apprendre à vous éloigner de vos émotions primitives. Apprendre à vous éloigner des réflexes animaux et de la paresse intellectuelle. Et à cet effet, je vais essayer d'en faire une petite synthèse. Cette synthèse, en fait, est contenue dans ce document. C'est un beau document. Et ça fait déjà, depuis 2009, que nous avons reçu le message. Alors, ça dit quoi? Édifier un monde, c'est le message principal. Où les hommes vivent mieux, gèrent eux-mêmes leur destin. C'est important. Assument pleinement leurs devoirs citoyens et jouissent de leurs droits civils et politiques. Gérer le destin à soi, c'est important pour qu'enfin l'homme soit ce qu'il est appelé à être sur notre planète. Le maître a dit. Le maître a dit, une émission qui révèle les grandes leçons cachées dans les enseignements du maître. Le maître a dit, une émission qui vous rapproche de ce que le maître a dit au cours d'une émission passée. Le maître a dit, une émission qui vous conduit vers les orientations contenues dans certains ouvrages du maître. Prenez le rendez-vous tous les jours sur votre chaîne préférée, HMD4, la métaphysique, notre idéal.